Ruth Vachon, Réseau des femmes d'affaires du Québec, toute l'équipe du REFAC s'est complètement transformée pour mieux vous aider pendant cette période de crise. Alors, je vous la présente. Bonjour, Élise Monnier-Montrevel. Je suis celle qui vous permet de suivre le Réseau des femmes d'affaires du Québec en ligne en temps réel. Je m'occupe du web. Bonjour, Lise Blondin. Je synchronise toutes les offres et demandes reçues pour mieux répondre à vos besoins. Bonjour, je suis Diane Diop et je récolte les succès de nos entrepreneurs pendant la crise. Racontez-nous vos histoires sur l'onglet Portrait sur notre blog. Julie Maillan, j'aide les entrepreneurs à se connecter. Vous avez des initiatives, venez m'en parler. Martine Daigle, je fais rayonner sur les réseaux sociaux le plus d'initiatives possibles pour échanger, inspirer et mettre de la couleur et un peu d'espoir dans nos vies. Micheline Nadeau, je prépare la mise en lumière des prochaines candidates du concours Prix Femmes d'affaires du Québec. Bonjour, je suis le pivot de l'équipe et je m'assure que les mesures mises en place fonctionnent rondement. Je m'occupe des opérations pour vous offrir le meilleur. Bonjour, Annie Baguerie, je continue d'être à l'écoute des membres. Bonjour, Marie-Ève Tenaglio, je continue à faire la mise à jour de nos finances pour maintenir le cap. Bonjour, Farise Saint-Pierre. Je m'assure des finances du REFAC afin que l'équipe réponde présente pour toutes les femmes d'affaires du Québec. Alors, toute l'équipe, on est là. Quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le Réseau des femmes d'affaires, c'est le Réseau des femmes d'affaires au Québec.